Eh bien salut à tous, on se retrouve, comme je vous avais dit précédemment dans la vidéo précédente bien entendu, pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, avec le même vélo qu'habituellement. Hein. Donc aujourd'hui on est samedi 16, enfin je sais plus, samedi 16 janvier je crois. Bah bref, je sais plus, ou 18 janvier. Et on est parti. Donc là j'ai pas commencé la vidéo quand je suis sorti de chez moi, mais on est un peu plus loin, on est dans la rue, en fait dans ma rue, mais un peu plus loin. Et on est parti pour cette petite vidéo. J'espère que tout va bien se passer dans cette vidéo. Donc on y va. Là il y a en plus on profite d'un bon petit soleil. Il n'y a pas trop de vent, ça fait plaisir. Pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Donc en ce qui concerne mon vélo, le bruit que j'avais, ouais c'était bien en fait. J'avais des petits points de rouille. Donc je les ai enlevés et puis maintenant tout va bien. Donc là dans la semaine je suis rendu à 184 km. Aujourd'hui ça va être une petite sortie de 25 km en mode civil, donc avec le 520, en mode tranquille. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté un coupe-vent bleu fluo. J'ai acheté un coupe-vent bleu fluo en espérant que les gens, les voitures me voient, hein, parce que là, je suis bien visible, il n'y a pas de problème. Et je suis rendu à 184 km dans la semaine. Donc ça va être une petite sortie à 20 km. Donc bien sûr, je ne vais pas tout filmer. Mais en ce qui me concerne, pour ma part, ce sera entre 20 et 25 km aujourd'hui, tranquillement. Et puis demain, je prendrai le Giant. 40-45 km pour terminer ma semaine de vélo, tout simplement. Donc là on passe vraiment dans nos rues où, comme vous pouvez le voir, c'est bien, la route est bien défoncée. C'est pas agréable du tout de rouler ici, mais bon, j'y passe pas souvent et de temps en temps c'est pas très grave, hein. Moi ça me dérange pas trop. Bon, je passe jamais ici avec mon autre vélo parce que sinon je vais totalement le défoncer et c'est pas le but en fait. Il rentre chez lui, ok. Je pensais qu'il voulait faire demi-tour, mais non. Donc comme vous pouvez voir, il y a un bon petit ciel bleu, il fait 6-7 degrés. Le temps est sympa. Pas trop de vent. Pas trop froid. Donc je sais pas si je suis déjà passé par là en vidéo, je crois pas. Et juste à droite, il y a un Intermarché, un Intercontact. En fait, c'est un petit inter vraiment tout minuscule avec que de l'alimentaire dedans, pratiquement. Par contre, par ici, je suis déjà passé plusieurs fois. Je suis déjà passé même plusieurs fois par ici lors de pas mal de vidéos. On va tourner ici et c'est parti, on va continuer. Donc, en ce moment, je sais pas ce qu'il y a sur Twitter et tout ça. Concernant la communauté cycliste, il y a beaucoup d'accidents de vélo, de collègues cyclistes, donc vélo taf ou vélo session. Donc moi ce que j'appelle vélo session, c'est vélo de route, vélo de course, voilà quoi. Il y a beaucoup d'accidents. Franchement j'apporte tout mon soutien à ces cyclistes là, parce que mine de rien, on fait tous partie d'une seule et même communauté, c'est la communauté cycliste. Et voir des cyclistes se faire, sur Paris, se faire menacer, agresser tous les jours, verbalement, physiquement. Moi, je suis pas pour la violence, hein, je suis non-violent. Mais je trouve vraiment ça intolérable. Et je suis bien content de ne pas être dans une grande ville. Parce que déjà qu'ici, il y a beaucoup de cons, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui se croient tout permis. Alors là-bas, j'imagine même pas. Il y a des gens qui se baladent.
Donc je ne conseille pas trop cette route pour se balader parce qu'il y a pas mal de camions qui passent dessus, mais bon, moi je suis en vélo, je suis assez rapide, donc ça va. On va tourner à droite, et on ne va pas aller en Belgique aujourd'hui. C'est vous. Waouh, putain. Ah, c'est bon, il m'a laissé passer. Même si c'était pas à moi de passer, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On peut pas être parfait, j'ai fait une petite erreur, mais bon. Bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est bon, pas de voiture qui arrive. On me colle un peu trop. D'attendre un tocard. Putain. Donc moi je mâche pas mes mots, hein. Comme vous pouvez le savoir, je pense. Bon après ça fait partie de moi. Hein. J'allais dire pas de clignot, mais en fait il y a eu de l'ami. Les gens ils sont bizarres un peu des fois. Ils vous regardent bizarrement comme si vous étiez un extraterrestre. Ça me fait bizarre des fois. Mais bon, c'est pas grave. Les gens sont sortis, on est samedi, il va falloir faire attention, hein, comme d'habitude. Il est le temps ou quoi? Et non, et en plus tu me frôles de trop près mon gars. Bon, je peux y aller. Moi je m'insère assez vite dans la circulation. J'ai pas du tout confiance aux voitures. Mais absolument pas du tout. Même si j'habite dans une petite ville, je fais pas du tout confiance aux voitures. À droite, de toute façon on a le droit de tourner là je crois. Ouais si on a le droit.
suis à 23 km/h. Vitesse agréable, pas de problème. Y a rien, c'est bon, là ça va se couvrir un peu. Bon, le stop, y a personne. Il y a personne, c'est bon. On va tourner à gauche. Ouais, on va tourner sur le parking. Il y a personne, c'est tranquille. J'ai même passé ici de temps en temps. Bon, on va descendre une vitesse, voilà. C'est bon, je peux y aller. Allez. Ouais, c'est bien agréable aujourd'hui. Hein. Bon, j'en ai pas trop envie. Ouais, c'est bon. Belgique là, et je pense qu'on finira la vidéo là-bas. Ça vous fera une belle vidéo assez longue, ce sera cool. Mais qui sait pas se garer. Ouais, si je me déporte, c'est aussi simple que ça, c'est parce que voilà pour ça. Donc les petits creux de la route, tout ce qui est aspérité dans la route, tout ça, pour éviter que ça tape, parce que même pour moi c'est pas agréable. Pas mal en plus. On arrive au feu rouge.
Donc Jonathan, il est où? Hey, toi non plus tu le fais pas ton clignotant de merde. Désolé pour les mots, mais je pense que vous commencez à me connaître. Soleil là, je sais pas si vous le verrez bien la caméra, logiquement oui, vous me direz. On prend le rond-point. Rien dire. Ah ben. Là, on est parti pour aller en Belgique, donc on a déjà été par là-bas. Je sais pas si vous vous en souvenez. On y va, on va faire un bon petit tour. Même ici, la route elle est vraiment défoncée. Pas agréable du tout, personne ne refait rien, enfin, je sais pas comment trop ça marche, mais bon, cette route j'ai toujours connu défoncée moi. Vous voyez, on était déjà passé par là. De toute façon, mes vidéos, je pourrais vous faire des vidéos par exemple quand je pars rouler avec le Giant, quand je suis assez loin. Ouais, comme je vous disais, parce qu'avec la voiture, je pourrais vous faire des vidéos quand je pars rouler avec le Giant. Par exemple, je suis arrivé à un lieu, je commence à enregistrer avec la GoPro, mais globalement, mes vidéos se passeront toujours dans ce périmètre. Je me vois mal aller à 300 km ou faire une vidéo. C'est un peu comme ce que fait Ben Twind. Il reste dans son secteur, c'est normal. Et bon, encore plus parce que lui, c'est... Bon, je pense qu'il est du vélo loisir ou utilitaire, mais je veux dire... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Je resterai dans mon secteur principalement. Même si des fois, avec le Giant, je pourrais aller, je sais pas, moi. Je fais une sortie. Et au kilomètre 50, par exemple, je donne un exemple, je sors ma GoPro et j'enregistre. Ça pourrait faire un autre horizon, vous verrez autre chose que j'y vais tout simplement. Si j'y vais, c'est pas très grand. Même si encore la vidéo que je vais vous faire là de l'autre côté du pont, il faudra que je pense à la faire, à me bouger pour vous la faire. De toute façon elle sera là, je l'ai en tête hein. Juste qu'il faut que j'y pense, parce qu'en fait je vais pas souvent par là avec le FB, j'y vais, mais quand j'y vais j'ai pris la GoPro en fait. Le gros problème, j'ai pas encore l'habitude de me balader avec partout. Ça viendra sûrement, mais pas pour le moment. Mais de toute façon je compte bien continuer les vidéos. Depuis le temps que je voulais vous faire des vidéos, enfin depuis le temps que je voulais avoir une chaîne vélo, filmée, etc. Forcément je continuerai. Il n'y a pas de problème. Cette route là elle est vraiment, vous pouvez voir l'eau par terre là, un peu défoncée la route.
arrive à R à Gimont, je pense que vous l'avez vu. C'est un abonné qui m'a dit ça dans les commentaires. Je crois même que c'est Ben Twin, je crois même. Donc c'est bien R à Gimont, la ville. À 3, je dirais 5 km de chez moi. Et vous y êtes super rapidement. C'est cool quoi. Et là on va tourner. On va pas passer par où les voitures elles passent. On va directement tourner à droite pour rejoindre tout droit le pont. Ce sera le mieux. Qu'elle passe, c'est mieux pour pas faire n'importe quoi. Là ça va secouer un peu. Voilà, belle lumière qu'il y a. À mon avis ça va bien rendre à la caméra. Et nous voilà arrivés. Donc la dernière fois on était ici. On est arrivé ici. Oh, ça nous fera une belle petite vidéo. Je sais pas on a combien de temps là de durée de vidéo. Mais je dirais au moins 20 minutes facilement. Donc de toute façon la vidéo je vais la recouper. Je vais faire ce qu'il faut. Et peut-être que je vais la recouper pour vous en faire deux. Donc il y en aura une et une autre. Bon avec la même voix dessus, hein, pas de problème. Avec les deux mêmes voix je veux dire. Mais il y aura sûrement deux vidéos. Du coup je vais voir en fait. Ah, ça fait plaisir là, un bon petit soleil. Il fait pas trop chaud, hein, il fait 6-7 degrés, mais bon, ça va, comme vous pouvez voir, je suis en tenue. Avec mon coupe-vent, j'ai vraiment pas froid avec les gants, tout ça. Je sais pas si je vous ai montré, mais la petite. Le petit truc là. Donc en fait, ça, c'est un truc qu'on met à la base à l'arrière, mais vu que j'en ai pas sur celui-là, bah, j'ai pris celui-là du Jaon pour le mettre à l'avant quand je roule avec mon 520, tout simplement. Donc voilà, petite vidéo. Petite vidéo, il s'est pas passé grand-chose, hein. Mais je voulais vous en faire une quand même, hein, mine de rien, parce que à part la vidéo entretien que j'ai fait avec le Squirt d'ailleurs, bon elle a été mise il y a 2-3 jours. Si vous avez des questions par rapport au Squirt d'ailleurs, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires, je vous y répondrai. Et moi je vous dis salut à tous et bonne route.